m'anime, ce qui me donne envie, c'est de voir à quel point les gens se rassemblent autour d'un événement populaire. C'est la course mythique. Prix d'Amérique, c'est l'équivalent à une finale de Coupe du Monde ou d'une finale olympique. Les tribunes remplies comme ça avant la première, c'est la première fois que je vois ça. Spectacle, de l'émotion et de la surprise, parce que je ne connais pas du tout, je ne connais pas très bien le monde des chevaux, donc je suis très heureux d'être là pour découvrir tout ça. Le prix d'Amérique, c'est le moment le plus fort, c'est un moment très populaire également, et c'est la fête du trot. C'est la promotion justement du sport. Par le sport, on arrive à rassembler tout le monde. Et puis aussi, c'est une belle dotation auprès d'une association, Princesse Margot. On espère que le Grand Prix d'Amérique va pouvoir apporter beaucoup de visibilité et de fonds à l'association. Oh yeah. Tous les drapeaux dans les tribunes qui s'agitent, les moteurs des Harley qui font du bruit. C'est vraiment tout le monde communique de la même manière, c'est très très fort. J'attends de voir ça avec impatience, je connais pas du tout, mais j'adore les chevaux, donc je pense que je suis moins stressée que ceux qui vont courir, quoi. L'un comme l'autre, on n'a pas des toutes premières chances, donc on savoure l'instant, on sait qu'il va y avoir un beau spectacle, donc pour le moment, zéro pression. C'est toujours un favori, c'est un cheval de la Manche notamment, mais que le meilleur gagne. Vous prenez au jeu et vous commencez à hurler quand les chevaux, enfin quand le premier arrive, etc. Donc c'est vraiment beaucoup d'émotion, beaucoup d'adrénaline en fait. C'est la deuxième année que je viens au Grand Prix d'Amérique pour soutenir des associations, le Petit Prince il y a quelques années et là Princesse Margot. C'est la première fois que j'assiste à ça, je fais beaucoup de cheval, mais c'est la première fois que j'assiste à un tel événement, donc je suis un peu excitée.